D'autres conseils pour se tourner vers des aliments sains et moins chers dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Après la pub, vous verrez comment faire des économies et manger sainement avec les protéines végétales que contiennent les légumes secs. C'est excellent pour la santé et en plus, ça ne coûte pas cher. E=M6, comment choisir des aliments sains et moins chers, deuxième partie. La viande est notre source principale de protéines, ces molécules indispensables à notre organisme. Mais ce n'est pas la seule et vous allez voir qu'il existe des moyens beaucoup plus économiques que la viande pour se procurer ces protéines. D'autant que les protéines animales à forte dose sont mauvaises pour notre santé. Reportage d'Amarota. Constructeurs et réparateurs de notre corps, les protéines sont un des piliers de notre alimentation. On les trouve essentiellement dans la viande et les œufs. Pourtant, à côté de ces produits d'origine animale, il existe une autre grande source de protéines, injustement méconnue, les végétaux. D'autant que les spécialistes s'accordent à dire que les protéines végétales sont excellentes pour notre santé. Alors, où peut-on les trouver ? Pour le savoir, nous allons suivre Anne-Claire. Il y a quelques années, cette ancienne amatrice de viande a découvert qu'elle pouvait manger des protéines végétales, tout en gardant le plaisir. Par exemple, en consommant de la charcuterie, mais de la charcuterie végétarienne. Vous avez des petites rondelles, un petit peu comme du salami. Quelle que soit la recette que vous avez habituellement qui utilise des saucisses, vous pouvez mettre ça dedans. Ici, vous avez aussi à base de tofu du pâté. Donc ça, ça imite carrément tout ce qui est terrine, hein. Si on veut, par exemple, remplacer le goût fumé des lardons, vous pouvez prendre tout ce qui est tofu fumé. Le secret de ces charcuteries, elles contiennent notamment du tofu, c'est-à-dire de la pâte de soja très riche en protéines et de la farine de froment. Ça a presque le goût de la viande, presque la texture de la viande, mais c'est garanti 100% végétal. Autre grande source de protéines végétales, les légumineuses, autrement dit la famille des haricots et des lentilles. Le mieux, c'est de les associer avec des céréales. Une association qui est courante, c'est de cuire du riz et puis d'y associer des lentilles, par exemple, hein. Des lentilles vertes ou alors des lentilles corail. Les lentilles corail, elles cuisent très très vite et elles ont un très bon goût. Une autre association qui est traditionnelle et qu'on trouve, par exemple, en Amérique du Sud, c'est l'association haricots rouges avec maïs. Si vous mangez une fois par jour et pas nécessairement en même temps, une portion de céréales et une portion de légumineuses, vous aurez votre ration de protéines. Simple, sain et vous allez le voir, particulièrement économique. Démonstration au supermarché. Voici pour une famille de 5 personnes la portion en protéines végétales. 500 g de légumineuses et céréales mélangées. Verdict à la caisse. 1,97€ s'il vous plaît. Manger des protéines végétales, c'est donc particulièrement économique. D'accord, mais est-ce aussi bon que la viande ? Direction la cuisine d'Anne-Claire pour quelques recettes gourmandes. Première recette, la quiche au faux lardon. Prenez du tofu soyeux, il remplacera la crème et sera 10 fois moins calorique. Préparez votre tarte comme d'habitude. Enfin, ajoutez le tofu fumé en guise de faux lardon. Si je compare au goût qui me reste des lardons, je trouve que ceux-ci ont un goût plus fin et surtout qu'ils sont beaucoup moins gras. Deuxième recette, un sandwich avec de la charcuterie végétale. Troisième recette, des roulés à base de pâte feuilletée avec de fausses saucisses. Et enfin, du steak 100% végétal. Ce steak à base de tofu, donc de soja, on peut même le trouver dans des restaurants où on le sert sous forme de hamburger. Mais quel goût ont-ils ? Aurélien et Kahn, grands amateurs de hamburgers, ont accepté de les tester. Je trouve que ça fonctionne bien. Ça fait vraiment un bon substitut en fait, à la viande. Ça fonctionne très bien et c'est délicieux. Il serait donc possible de consommer plus de protéines végétales sans renoncer à se faire plaisir. Avec ces substituts végétaux, vous ferez du bien à votre santé sans vous ruiner. À dimanche prochain. Au revoir.